Ballon d'or 2024, j'en ferai 10 fois plus s'il le faut, promet Vinicius après sa deuxième place. Plusieurs membres de l'effectif du Real ont réagi avec émotion à l'annonce de l'attribution du Ballon d'or à Rodri aux dépens de Vinicius Junior, favori, qui a lui-même envoyé un message après la cérémonie sur les réseaux sociaux. Ils ont collectivement boudé la cérémonie lorsqu'ils ont appris que le Ballon d'or échapperait à Vinicius Junior, mais les membres de l'effectif du Real Madrid n'ont pas manqué de réagir au moment où l'annonce est officiellement tombée. Non, le Brésilien n'est pas le Ballon d'or 2024, l'honneur a échu au milieu espagnol de Manchester City Rodri, tout aussi essentiel à son club et à son équipe nationale. Très attendu, la parole du malheureux Brésilien ne s'est pas fait attendre peu après la fin de la cérémonie. « J'en ferai 10 fois plus s'il le faut », a-t-il partagé sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas prêts. La promesse d'une nouvelle bataille féroce pour le prochain Ballon d'Or? Si les urnes ont donc parlé, leur voix n'a pas résonné chez les Madrilènes. Sur X, Eduardo Camavinga a déploré une décision politique. « Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire », a posté l'international français. Lauréat du titre de meilleur entraîneur d'une équipe masculine de la saison, Carlo Ancelotti s'est également fendu d'une réaction sobre et laconique, dans laquelle il a fait référence au classement du Ballon d'Or. « Je veux remercier ma famille, mon président, mon club, mes joueurs et par-dessus tout Vini et Carvajal », écrit-il. Pour le club merengue, la logique aurait voulu que si le Brésilien n'avait pas été sacré, le latéral espagnol le soit. Il a terminé 4e du classement, derrière son coéquipier Jude Bellingham. Karim Benzema, l'ancien madrilène, a lui aussi rendu hommage à son ancien coéquipier dans une story Instagram, en deux mots, trop fort. Éder Militão, le défenseur brésilien du Real, a adressé à Vini un message similaire à celui de Camavinga, « Tu es le meilleur et personne ne peut te l'enlever ». Même son de cloche pour Aurélien Tchouaméni, « Rien n'enlèvera ce que tu as accompli, mon frère », a-t-il écrit. « Nous savons tous. Ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas faire ».